Je m'appelle Thomas. Et moi, c'est Quentin. Stop-nous si tu peux, c'est parti d'un rêve. Celui de pouvoir voyager sobrement. Tout en favorisant la rencontre et les échanges. On est parti de Lyon il y a 23 jours, direction Budapest. Le coût de notre voyage ? Un ticket de métro. Alors, la prochaine fois que tu nous croises, stop-nous si tu peux. Voilà, c'est le jour du grand départ. Il fallait bien que ça arrive, hein, après quelques mois de préparation, depuis notre dernier voyage en Auvergne. C'est vrai. Du coup, on vient de partir de Villeurbanne. Il est quelle heure ? 15h25, chef. 15h25, nous sommes le lundi. Nous sommes le lundi 17 octobre. 17 octobre. Bon anniversaire, Estelle. C'est vrai ? Ouais, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Estelle. trop de love sur toi. Et donc là, on va prendre le métro pour aller où, en fait ? Donc, aller côté est de Lyon pour partir en direction la Savoie. Voilà, on stoppe. Et bien, à plus ! Voilà, et bien, à très bientôt et sur les routes de France et d'ailleurs. On vient de finir notre premier stop qui nous a amené dans la campagne grenobloise. Dans la campagne. Dans la montagne. Ouais, c'est la vallée en l'occurrence. Mais... Et en fait, on va se diriger vers Saint-Quentin parce qu'on s'appelle Quentin et qu'on sait pas où on veut aller, donc on va aller vers Saint-Quentin. Et puis c'est à 11 km. Easy. On se fait crème. Bon sandwich, Thomas. Un régal. Je me la régale. On vient d'arriver à Saint-Marcellin. Et pour se tuer, c'est à côté de Chatte. Exactement. Et en fait, on est allé dans la boulangerie qu'on peut voir là-bas. Et merci au gentil monsieur qui nous a gentiment donné les restes qu'il allait jeter. Voilà. Pour votre information, sachez qu'à partir de 17h-18h le soir, les boulangeries, essentiellement, en fait, sont prêtes à donner des produits destinés en fait à la poubelle. On peut largement avoir de la nourriture gratuitement qui va en fait être jetée, donc c'est de la récupération, donc c'est écologique. Donc c'est top. Exactement. Et on avait faim, donc ça tombait bien. Bon, il est 19h35, l'heure de trouver un logement. Après plus d'une heure à chercher, la nuit tombe. Heureusement, Vincent et Camille acceptent de nous héberger pour une nuit. Malheureusement, ils ne sont pas très à l'aise avec la caméra et on décide donc de ne pas les filmer. Bonjour. On est le 18. Donc toujours 0€ de dépenser. Toujours 0€. Et pourtant, on a bien mangé. Toujours 0€. On a un peu galéré hier soir à trouver le logement. Bon, en cherchant les habitants chez eux, en fait, c'est quelqu'un qui nous a retrouvés, à qui on avait parlé, et qui nous a dit « Oh les gars, je vous cherchais et tout machin. Finalement, c'est bon pour venir chez moi, pas de soucis. » Ouais, c'est assez incroyable parce qu'il commençait à faire noir. On avait fait toutes les maisons du coin. Et il nous a un peu sauvés, ouais. Une famille qui avait... pas mal un passé assez difficile. Notamment Vincent qui a beaucoup vécu dans la rue, donc c'était très intéressant de voir son histoire. Et qui vivait de manière assez, pas sommaire, mais voilà, qui n'avait pas beaucoup de moyens. Et en fait, on s'est rendu compte encore une fois que c'est les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens qui sont prêts à donner leur maison, leur temps, leur nourriture. Et c'est vrai que quand t'entends l'histoire des deux personnes, tu te dis que toi, avec ton confort de vie optimal, voilà, il y a des gens qui sont bien pires que toi ou pires que toi et qui n'hésitent pas à ouvrir leurs portes. Toi, tu ne ferais pas forcément, donc c'est vrai que c'est des leçons de vie. Maintenant, on va en direction de Chambéry pour rencontrer Nick Marie. Alias Globstoppeuse. Yes. Attends, normalement, ils font le lien ici. Et bien, voilà. On va reprendre la route. À toutes. À toutes. Soleil à 100 euros, gros. 100 euros. Mordor. Bon, les caméras, il faut qu'on te montre. Les cendriers que tu peux voir, genre que les gens vendent dans la rue, et ben ça c'est des vrais et on sait les faire. Voilà, on est très fiers. On va essayer. Ah ouais, super. Et quand on dit qu'on sait pas où on va aller, en fait, c'est parce qu'en fait on se fait uniquement aux gens, c'est-à-dire qu'on va là où les gens vont.
Ouais, mais il y a quand même un but, c'est plus de fait. Voilà, on a un but, mais on va prendre le temps pour le faire, quoi. On n'est pas. Vous n'êtes pas pressé. Non, absolument pas. Est-ce qu'on peut dire, genre, trop tout cas? Ouais. Ah, c'est trop tout cas. C'est du coup pour l'anniversaire de Mallory qui a 20 ans aujourd'hui. Et qui vient de démissionner de son boulot, donc c'est assez marrant. Voilà, c'est pas mal. Pour ce aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Mallory. Joyeux anniversaire. Ouais. En plus, on a un super cadeau pour Mallory parce qu'elle fume et qu'on a un cendrier fait maison. Trop bien en plus. Et ça, c'est vraiment la classe. Voilà. Trop tout car. Trop tout car. Un jour, tu vas travailler, tu vas faire les fuck, tu fais attendre du monde, tu te casses avec ton cadeau. C'est ça. Il y en a qui le font. Ça fait du bien. Petite photo. Allez. Bonjour, on est deux voyageurs, on voyage sans argent. En fait, on voudrait demander si vous aviez pas de la nourriture que vous alliez jeter ou de la récupération qu'on pourrait faire ou... Je vais faire un don, mais... Vous allez faire un don? Non. Ouais. C'est trop gentil, ça. Puis bon, on voit qu'il y a des restes de mains, de têtes de mort, on peut se nourrir quand même. Ouais. Merci beaucoup. Bah, c'est trop sympa. C'est énorme. Ouais. Bon, bah. Allez, merci encore. Non, mais arrête, non, mais là, c'est gênant, là, il y en a trop. Non, les mangent, si vous voulez. Bon, on va les prendre, du coup. Courage. Salut, merci. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Bon, on précise, ceci n'est pas un fake. Et putain, mais les gens sont trop cool, quoi. Et voilà, bon, bref, vous avez vu ce qui s'est passé. Hein. Pas besoin de vous faire de débrief. Hein. D'accord, ok, bon bah tant pis, pas de soucis. Non, c'est bon. Il est à Grenoble. Mais c'est pas direct sur le coup. C'est possible, du coup c'est possible d'aller voir, il a dit ah, c'est compliqué. Mais nous on veut pas aller à Moiran. À voir où. Bon allez. Bon, allez. Allez, on va vers Voiron. Un Voiron. Ouais, ouais, nickel. C'est bon. Super, sympa, merci. Merci beaucoup en tout cas. Ça faisait longtemps qu'on pourrait ôter ici. Ah ça. Ah ça. C'est parce que ma copine est actuellement à Budapest. Ah bah oui, bah vous êtes une bonne récente. Vous y serez vite à Budapest. Ah oh, mais justement, on veut prendre le temps d'y aller. Vous avez pas l'air très étonné, donc je pense que vous avez fait du stop, vous, non? Ah oulala, oui. Ah, c'est vrai. J'en étais mais, sûr. Mais de toute façon, moi j'ai fait du stop à l'époque. À l'époque, on faisait du stop normal, quoi. C'était normal à l'époque. J'allais à Paris au stop, À l'époque, jeune, quoi. C'était dans les mars. Exactement. Ouais. Enfin, c'était dans les miens, quoi. Hein. Les autres, pas. Et puis mon fils, je sais qu'il a fait beaucoup de stop, mon fils. Il est revenu en bateau stop, lui. Ah oui, bateau stop. Bon, ah, non, mais... c'est le genre normal, quoi. Voilà, exactement. Comme on les aime. Eh bien, écoutez, il y a un feu rouge. Vous descendez. Ouais. Je suis désolé. Oh non, c'est bon, pas je regrette. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour, cette caméra. Tu es toute belle aujourd'hui. Ah oui. Tu es dans tes beaux jours. Nous sommes arrivés à Chambéry. Et donc là, on va à la rencontre d'Annick Marie. On est arrivé avec une heure de retard, c'est ça? Ouais, à peu près. Bon, on a fait ce qu'on a pu, hein. C'était déjà bon, moi, je trouvais. Hein. Ouais, avec trois stops. Et donc là, j'apprécie beaucoup parce qu'on a changé de sac et c'est enfin Thomas qui galère. On va dire la vérité, Quentin a fait un sac de gros bâtard. Attends. Papa, maman, si vous reconnaissez pas, on était là il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis encore vivant, deuxième jour. Ah si, en fait, on va là. Bon. Comme on triche, avec un smartphone. Ouais, on est un peu des routes high-tech. Tant qu'on est en France, on peut tricher. C'est donc. Ça. On en profite du coup. Voilà. Si j'arrive par Bourg-en-Bresse, bah hop, je descends vers Genève. J'avais refusé de donner une conférence sur le voyage féminin, je trouvais que j'étais pas représentative. Ouais. Si on l'a, j'ai commencé à interroger d'autres femmes et à me dire bah, si je peux étendre mon expérience à celle des autres. C'est dans cette optique-là que Club Stoppeuse a été développé aussi. Il n'y a pas de vitrine pour les femmes. Ouais. Si je sais, moi je suis une personne ultra préparée, si je peux quand même envoyer cette idée que ouais, on prend des risques, mais en même temps, si tu fais du ski, il faut que tu t'attendes. Oui, bien sûr, c'est ça. Il y a un risque de rentrer dans un arbre. Bien sûr, après, c'est clair. Et comment tu fais pour éviter de rentrer dans un arbre? Parce qu'il y a des techniques. Il y avait pas mal de premiers pas de l'aventure qui étaient aussi. Coucou. Le logement, la nourriture, le déplacement, c'est un peu les trois besoins de base, si on veut. C'est tout, ça. Mais au-delà de 3 mois, il y a d'autres besoins qui finissent par se mettre. Hein.
À un moment donné, tu as besoin quand même de te réaliser, de sentir que tu contribues au monde, que tu n'es pas qu'un fardeau, par exemple. Il y a tout plein de questionnements, oui, sujet de ta légitimité, de comment tu t'intègres dans la société pour aller empêcher le gaspillage à certains endroits. Mmh. Parce que quand on fait du stop, c'est un peu ce qu'on fait. Bien sûr. On n'est pas nécessairement en train de profiter des autres, ouais, que ouais. On est en train d'obtenir, de prendre un créneau, un espace vide. Ouais, donc on optimise des choses qui sont déjà faites. Même chose pour la nourriture, quand on fait de la récup, par exemple. Mais il y a toutes ces négociations-là qu'on fait avec soi-même, face à notre éducation, avec notre sens éthique, notre recherche de faire partie d'un idéal, peut-être. C'est un peu être le changement qu'on veut dans le monde. Après, personne n'est parfait. Hein. Ouais. On a nos stratégies de survie, on prend certaines décisions par rapport à notre éthique, à nos moyens. Quand je parle de moyens, je parle de ressources en temps, en organisation, en connaissance aussi, hein, pas que des moyens financiers. Ah, c'est tout con, mais c'est vrai que mon coloc, il disait... Moi, si la Biocop elle était en face de ma rue, j'irais. Ça correspond à tout ce que j'ai envie de dire. Alexis. Mais sauf que du coup, il y a le casino qui est à côté. Du coup, il a sa contrainte de temps. Voilà. Sort de chez Annick Marie. Oui, exactement. Et on a récupéré des bières. Du coup, ça fait un vieux bruit alcoolique. Et là, il est déjà 6h. Ouais, 6h, donc ça va être chaud pour trouver un logement ce soir, on va se bouger, hein, parce qu'on n'a pas le choix. C'est ça, alors surtout avant la nuit en fait. Voilà. Donc elle nous a donné un bon plan pour faire du stop, donc là on s'y dirige. Comment je t'appelle ? Erwan. Salut Erwan. C'est Erwan qui nous filme. Voilà, c'est Erwan qui nous filme. Il va nous accompagner jusqu'à ce qu'on trouve un stop. Il va rester longtemps avec nous, Erwan. Ouais, bon, Erwan, si un jour tu veux venir en stop avec nous, ou si tu veux te tenter ton tour d'expérience, tu nous oublieras pas. À 18 ans, je vous rappelle. Ça marche, à 18 ans. On sympathise tellement avec Erwan qu'il demande à ses parents par téléphone de nous accueillir le soir. Malheureusement, ils n'acceptent pas. Mais une heure plus tard, alors que l'on fait toujours du stop avec Thomas, Erwan revient en ville nous chercher, ses parents ont finalement accepté. On prend le temps de rencontrer les personnes qui veulent nous aider. À votre problème, hein. Ouais, merci. Merci à vous, bon courage. Générosité. Tu sais, que pour ceux qui font du voilier par exemple, ouais, t'arrives dans le port et en fait il y a une cabine avec plein de livres. Et les gens qui sont arrivés en voilier, parce qu'en voilier tu dois limiter ton poids quand même par rapport au bateau et tout. Et du coup, ils déposent leur livre quand ils l'ont fini et ils en reprennent un autre. Parfait, hein. Et c'est un échange perpétuel de bouquins. On nous a appris à avoir des propriétés. Et peut-être que maintenant, j'espère, on évolue vers quelque chose qui est plus commun. Par contre, qu'un livre, certes, t'aimes bien l'avoir, mais en fait, le temps que tu n'utilises pas, tu peux peut-être le donner à ton voisin, le prêter à ton voisin, le prêter à ta... Et moi j'aime bien ce principe-là en tout cas. Ouais, on se rend un petit peu avec le covoiturage et juste comme voilà, ça. Voilà, tu partages pas ta bagnole, partages ta propriété, ouais. Voilà, exactement. Pour le rendre plus commun, quoi. Par Barbara et Timothée après une bonne soirée, c'est super, très très gentil, donc on est un peu triste de les quitter. Ouais, c'est clair. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, pas pour vous 7. Et du coup, là on est à l'autoroute, après aller à Genève. À Genève, au nord de Genève. Nord de Genève. On va essayer d'éviter Genève. Pour voir qui ? Moutz, on y touche, Moutz. Avec tout ce qu'on a récupéré depuis quelques jours, on s'est dit waouh, on va faire un festin. Mais finalement, il y a beaucoup de choses de périmées. Les crackers sont immangeables. Notre maman auto-stoppeuse, Annick Marie, si tu nous vois. T'as voulu nous tuer ! Nous tuer, bordel ! Ça n'arrive plus ce soir, ça n'arrête plus ! Sur la route, on rencontre Sandrine. Elle est prête à faire un détour pour nous amener dans la bonne direction, mais seulement après son cours d'équitation. Pour la remercier, on décide alors d'aider le centre d'équitation qui a besoin de main d'œuvre. Enfin, notre premier échange de service. À Nyon avec un N. Je dis Nyon en Suisse. Voilà, puis je vois c'est de.
bouillette de guignol. C'était guignol. Ils ont eu relativement bonne bouille. Allez, j'ai une personne, j'ai un grand coffre. C'était moi, ça n'était même pas. Par laser, rien, c'est bon. Tu nous aurais écrasé. Ça pourrait rigoler. Non, mais à Founet, vous avez quelqu'un qui vous héberge à Founet? Non, non, non. Je les emmène chez Petra, tu vois? C'est pas bon signe quand on rigole. C'est là, ça sera peut-être de charmant jeune homme, mais ça sera peut-être tout content de me Finalement, Sandrine nous accueille chez elle. Elle nous déposera sur la route demain matin. 70 à vide, 12 kilos. Le maximum selon Anne-Marie. Avec Marie, non. Bon, bah, mon sac est bon. Je pense que tu vas en chier. Ça va nous déprimer, tu vois. On était content d'aller refaire nos salles. Tu fais squat. Bon, bah 85, j'imagine. 15 et 12. Bon, voilà. Bon, bah, en fait, on va se séparer de notre tente, c'est bon. C'est... Ouais, c'est la tente TPC. Merci de nous accueillir. Avec le co... Oula, on refait. Non mais mec, c'est du réel, on s'en tape. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, t'avais dit qu'est-ce qu'il était moche dans le... Ah bah, je change mon discours. Yes, je suis devenu... Un vrai autostoppeur.